président pays États-Unis Joe Biden. Jeudi à qui c'est 20 février 2023 fait une visite surprise en d'un pays Ukraine, il y rencontrer président pays Ukraine Volodymyr Zelensky. Bonjour, bonsoir internautes, bienvenue sous un immigrant. En d'un péninsule coréenne, la tension a monté mesdames messieurs entre Corée du Nord et Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique. Gagné pays Corée du Nord qui confirmait jeudi 20 février a lancé deux missiles qui capable craser totalement yon base militaire que ennemi a gagné et yon tava des missiles nucléaires. Yon confirmé par bon côté pa yon, yon fait exercice sa yon, c'est par rapport avec pression que les États-Unis d'Amérique avec Corée du Sud a metté tout près yon avec exercice militaire. Et Japon revendique yon l'autre bord que gagne yon nan missile qui tava tombé dans zone exclusive économique li. N'a toujours été en d'intention yon l'autre bord gagne pays Israël qui tava tiré plusieurs missiles sous territoire pays la Syrie et gagné plusieurs habitants qui tava victime environ 5 tava tué et gagné plusieurs lotes qui tava blessé mesdames messieurs nan bombardement sa yo qui attribué avec l'armée pays Israël là sous pays la Syrie. Ensemble information sa yo avec plusieurs lotes nous pral partager ensemble avec vous. M'ap di ou merci ou même qui déjà abonné avec Zen Immigrant. S'il vous plaît, quittez un like. Quittez un like. Et ou même qui vous abonner, s'il vous plaît, m'a invité ou. Fais ça qu'on y a, pas oublier, quittez un like tout et puis partagez vidéo ça. Merci pour même qui a supporté sur YouTube. Merci pour même qui a supporté nous sur Facebook. Et m'a plan son message pour mon YouTube yo. C'est important pour que nous capables abonner avec page Facebook là parce que moi plus publier sur page Facebook là, nous capables venir plus contenu sur page Facebook là. Même qui sur YouTube, gen moun qui pas utiliser Facebook, m'a conseillé ou mettre fait cousin immigrant, abonner cousin immigrant. Mesdames messieurs, on nous continue avec information yo. Président pays États-Unis Joe Biden fait une visite surprise. Une visite qui a gagné un petit lui l'a metté en dans conflit là. Il rencontre président pays Ukraine Volodymyr Zelensky et première dame non Olena Zelenska nan palais présidentiel. Il y même annoncé que y a bay des soutiens, y a continué bay soutien yo avec mesdames messieurs pays Ukraine. Il y même fait connait que gagne aide demi milliard de dollars. Y a un paquet qui a gagné en dans li plus équipement militaire pour pays Ukraine. Eh bien, les États-Unis d'Amérique montrer soutien li, montrer comment que li même li camper des Ukraine et la continuer faire guerre avec Ukraine. Quelques jours avant anniversaire invasion pays la Russie, président Joe Biden rentre en dans pays Ukraine. Et il y a gagné tout pour que le capable passer en dans pays la Pologne, il a gagné Vladimir Poutine pas bon côté par lui, demain si Dieu veut qu'il a gagné un discours que lui même l'a adressé avec nation l'IA et adresser tout avec monde là. Mesdames, messieurs, en nous quitter parti ça, en nous prenant tension qui a monté en dans péninsule coréenne avec Corée du Nord. Corée du Nord avec Kim Jong-un affirmé que yon possédé une puissance de frappe nucléaire qui est énorme. Kim Jong-un, par rapport à l'agence de presse nord-coréenne KCNA, affirmé jeudi lundi 20 février que lancé deux missiles. Qui t'avait des missiles nucléaires tactiques, qui capable détruire entièrement des bases aériennes que ennemi a gagné. Selon agence nord-coréenne KCNA, exercice ça li mené pour capable bay une réponse avec exercice conjoint que les États-Unis d'Amérique et Corée du Sud pas suspendre fait dans la région. Pyongyang a dénoncé exercice militaire des États-Unis d'Amérique tout près. Frontière l'IA, li même wèl comme yon préparation pour une possible invasion sou yon même. Eh bien, par bon côté pa yon tout, y'a préparé yon en réponse pour que yon capable frapper ennemi yon si ennemi attaque yon. Yon lancement missile, mesdames, messieurs balistiques, que ONU dénoncé, que Japon dénoncé, mais Corée du Nord dit, par bon côté pa yon, yon doué continuer préparer yon davantage. Et armé yo parce que ennemi a montré que y a préparé yo pour capable envahir. Mesdames, messieurs, Corée du Nord qui besoin vent pour y aller la gonave pour qu'elle capable toujours essayer missile li,
Eh bien, chaque fois que les États-Unis d'Amérique avec Corée du Sud fait exercice yo, eh bien, Corée du Nord va bon côté pali, tout considérer menace là et puis tout profiter tout dans moment pour capable exercer puissance militaire pali et puis faire exercice avec gros armes que lui-même ni gain la caille. Et une initiative que secrétaire général ONU Antonio Guterres dénoncé, mesdames, messieurs, mais pour Corée du Nord, et spécialement ceux Kim Jong-un, non, qui vient pour nous, Kim Yo-jong, lui averti que, yo même, y a continué à surveiller l'initiative Washington, yo, avec Corée du Sud, yo. Et chaque fois que yo même, yo augmenté tension, hein, y a continué à répondre avec menace que yo même, yo fait, yo. Mesdames, messieurs, tension empirée à multiplier. Mesdames, messieurs, nous quittons parti ça, en nous traverser en dans la Syrie. Gagné un pays, Israël et la Syrie, c'est deux pays qui collent. Depuis 19 février, gagné des accusations qui ont circulé sous pays Israël. Côté Israël, t'avais lancé des frappes sous Damas. Missile Sayo t'avais attribué avec un groupe qui est le Sahel. Et missile Sayo fait gros dégâts dans des zones résidentielles. Gagné 5 moun qui t'avais mouru, parmi eux un soldat. Et gagné 15 lots qui t'ava blessé, mesdames, messieurs. Là encore, Israël t'ava commettre une agression aérienne contre la Syrie. Israël t'ava commettre une erreur qui grave contre la Syrie. Mesdames, messieurs, lorsque nous prenons en considération l'intégrité territoriale, lorsque nous prenons en considération souveraineté territoriale. Là, Israël, mesdames, messieurs, Israël t'ava commettre un gros crime là contre la Syrie. Et c'est pas seulement un bâtiment, un immeuble, gens que même moi regarder là qui t'ava endommagé, gien tout un citadelle médiévale qui t'ava endommagé avec un tir missile tout toujours dans le centre Damas. Frappe aérienne ça yo t'ava fait dans 18 février et image publiée dans 19 février. Mesdames, messieurs, bâtiment sa yo qui crasé, selon des informations, frappe aérienne sa yo t'ava visé des sites prétendument liés avec un groupe libanais qui t'ava considéré comme des milices iraniennes qui retrouvé yo en dans la Syrie. C'est-à-dire que Israël t'ava attaqué un groupe milice, yo t'ava considéré comme des milices iraniennes qui retrouvé yo en dans la Syrie. Et explosion sa yo, mesdames, messieurs, yo simé la terreur. Rapporté agence presse syrienne nan sana. Mesdames, messieurs, yon nan vrai problème qui gagne nan jan de accusation sa yo, c'est parce que c'est pas première fois que yo attribué avec Israël. Récemment, Israël accusé lancé une attaque drone directement sous territoire Iran. Pas gen sanction de prendre contre lui. Mais Israël lancé plusieurs missiles là, accusé lancer plusieurs missiles là sous la Syrie. Pas gain sanction qui prend compte lui. C'est-à-dire que dans démocratie a, yon groupe pays gain droit tuer, yon groupe pays gain droit lancer attaque sous territoire l'autre pays, yon groupe pays capable touyer yon groupe moun, yon même yon bien fait. Mais yon l'autre groupe depuis c'est lui-même qui lance son attaque. Déjà li gen sanction, déjà li puni, déjà le monde condamné. Mais gon pays le monde pas condamné si c'est li. Je pense que nan pati ça li drôle. Et Israël accusé trop avec Jordanie, avec Palestine, Israël a commis un pile crime, c'est presque chaque jour Israël a bombardé Palestine, pas gen sanction, en pile civil a mouri pas gen sanction. Li a attaqué Iran, Israël pas gen sanction. Li a attaqué la Syrie, Israël pas gen sanction. El touye civil. Bon, c'est nan pati ça trop tolérance en dan démocratie Israël. On m'a dit démocratie monde là, non, m'a dit démocratie Israël. Mesdames, messieurs, si on preuve qui montre que chaque pays gen propre démocratie pa yo. Et chaque pays comprend démocratie pa yo yon jan. Pas gen yon démocratie universelle. Ça pas existé. Mais espérez que moi clair. Pas gagner démocratie universelle. Ou dit ah gon démocratie là, li pour tout monde là non.
démocratie pas pour tout le monde là. Chaque pays gen propre démocratie pa yo et chaque pays comprend démocratie à yon jan. C'est pouvoir peuple là réellement, mais chaque peuple comprend pouvoir pa yo à yon jan. Et chaque peuple décide avec pouvoir pa yo à yon jan. C'est ça fait que monde là a toujours gen problème, l'a toujours nan gros difficulté lorsque yon pays a commet crime et puis yo pa condamné et puis kou yon l'autre fait crime. Yo condamné. Je pense que dans la partie ça, a toujours un problème parce que chaque pays comprend la démocratie à yon l'autre gens. Et n'importe pays qui pas comprendre ni même avant, il déjà un problème. C'est une situation qui vraiment, vraiment compliquée, mesdames, messieurs. Et bien, c'est comme ça, le président pays des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a rencontré le président pays Ukraine dans la visite que lui-même lui fait dans la capitale Ukraine, Kiev, et Gaye Kim Jong-un qui montrait puissance tactique nucléaire li, par rapport avec menace que Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique représentaient pour lui-même. M'a invité à rester connecté après tard le comme ça pour l'autre sortie sous un immigrant.